Alors bonjour à tous, aujourd'hui petit tour du potager de mi-juillet. Nous sommes le 16 juillet exactement, 2023. Il y a beaucoup de vent. J'espère qu'on va bien entendre au niveau du son. Excusez-moi pour le son. Donc je vais vous montrer les nouveautés. Des fleurs qui vont bientôt arriver. Donc, planche autoclave, c'est une planche de 40 cm de large. On va mettre des fleurs, on verra. Les reines marguerites, ça se termine. Pareil de l'autre côté, mon kiwi auto-fertile, il ne progresse pas des masses, mais bon. Est-ce que c'est la mauvaise position? Est-ce qu'il y a trop de vent? Je ne sais pas. À voir. Le coin framboise, il se développe bien. Ça va. Les petits cosmos qui commencent à sortir. Ça se termine au niveau de la consommation des salades. Il y en a d'autres qui sont prévues à être piquées. Les concombres. Ah, par contre, il y a eu beaucoup de pluie hier, donc tout a été traité en prévention en pluie bordaise, dosage 50%. On a déjà mangé avant que je traite, bien sûr, bien que la bouillie bordelaise n'est pas très possible. Cerise qui est assez grand. Mes aubergines. Petite tomate en favelle qui commence à venir. Doucement. Et là, ça mûrit bien doucement aussi. Derrière aussi, il y a pas mal. Parce que ça donne encore long aussi. Là. Les cornichons. Tout le long, je fais la récolte ce matin. Les oignons jaunes, tranquille.
salade. La grosse paresseuse. Mes 4 saisons. Voilà. Mes haricots récoltés de ce matin. Mes carottes. Pareil. Ça va bien. Doucement. Pas mal, les carottes, ben ça se développe, je pense, hein, correctement. Oui, tu mets, hop, petite carotte là. Je sais pas si on voit. Mal doucement, je fais la récolte de mes fraises. Ça, pas mal, qui vont aussi. On a rhum qui n'est pas encore en fleur, moi je pense que ça va pas tarder. Ma courge, courgette, melon, pastèque et tomate cerise, de russe. Donc là, bah, la courgette, là, on a un petit peu partout, j'en ai là. Là. Ici. Lui, il est un petit peu partout. Là. Il est en train de noircir pour me revenir rouge. Bon, aubergine. Ici. Du marron. Spaghetti, les tomates russes, vos pieds de tomates russes. Non, aussi ça. Petite pastèque. Et une autre là. Qu'elle mûrisse, qu'elle grossisse.
une courge spaghetti qui est juste là. Qui va arriver là. Un ici. Voilà. Doucement. Ça, ça. Et toujours mais cette pomme qui tient le choc. La petite nouvelle, juste là. Et toujours ma mère qui est ici. On est, comme je dis, on est mi-juillet, donc tout est bien parti. On mange déjà un peu de tout. Tomates, cerises, fraises, cornichons, je suis sûr. Mon petit bricolage à boulot que j'ai fait pour cet été. J'ai condamné ce coin-là qui ne poussait pas. J'ai transformé en petit coin déco. Voilà, voilà. Donc il n'est pas fini, hein. On va voir si on met pas d'autres décorations comme ça derrière, avec des éclairages solaires, petite lampe, je sais pas encore. Donc ça, j'ai fait ça cet été. Je pense que l'année prochaine ça devrait faire. On revoit l'autre côté, comment c'était dispositionné au niveau des ficelles. Vous voyez, ficelles, ça fait, c'est comme ça en fait. Les tomates cerises, ça fait ça. Tomates simples, celui-ci, une ficelle, vous voyez. Puis de tomate cerise là, il est vraiment, il fait plus d'un mètre. Il fait bien 1m20 de haut. Celui-là, ça va pas tarder. Ici les concombres, ben voilà, ça doucement. Il faut qu'on enlève un ou deux là, je vois. Celui-là là. Et celui-là là. Et peut-être celui-là qui est derrière. C'est après ça fait du poids. Donc, je préfère pas trop les laisser. Donc il va y avoir une petite récolte je pense. On va voir ça. Les salades, ben il y en a d'autres qui sont prévues bientôt. À repiquer, on verra ça plus tard.
principale du potager, rien d'extraordinaire, c'est juste que c'est à mi-parcours. Ça pousse bien. Voilà. Bon allez. C'est juste que bien pour faire comme ça. Un petit peu de l'odium, donc bon repaillage, j'avais repaillé bien correctement, pareil le pied là, donc l'arrosage, je l'arrose pas souvent, ça se tient, le potager au fond il est jamais paillé parce que c'est trop compliqué, plusieurs besoins, on pourrait mais bon, les tomates, les concombres, ça c'est paillé, et tout ce qui est de l'autre côté là-bas, donc cucurbitacées, tout ça, courgettes, melons, pastèques, tout ça c'est paillé.